who's thirsty, lands to drink. Love flies up and away from me. Bonjour à tous et bienvenue dans l'estuaire de la Seine pour une émission consacrée à la peinture, mais pas n'importe laquelle, celle qui a marqué l'histoire de l'art à l'occasion des 150 ans du chef-d'œuvre de Claude Monet, Impression Soleil Levant, qui donna son nom à l'impressionnisme. Nous allons nous intéresser à ceux qui ont précédé ce courant. On les nomme les peintres de Honfleur. Eugène Boudin est l'un de leurs chefs de file. Faisons tout de suite connaissance avec celui qu'on surnomme aussi le roi des ciels, un reportage signé Alexis Jacquet et Éric Mézy. En Normandie, on ne dit jamais qu'il fait mauvais. On avoue éventuellement que la météo est parfois un peu changeante. Un ciel tourmenté qui fait le bonheur des peintres depuis près de 200 ans. Je regarde quand même une application météo, comme quoi la modernité, ça sert. Daniel Lallemand pose son chevalet à Honfleur depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il s'est installé sur le vieux port. Le peintre ne se lasse pas des reflets et des devantures colorées. Alors disons-le, aujourd'hui il fait gris. Mais ici, même un ciel gris n'est jamais triste. Pour moi, c'est un bon ciel pour peindre. Il y a des nuances de gris qui sont fantastiques. Vous voyez, là, il y a l'arrière-plan, là. Même, regardez ce gris au-dessus des maisons, là. Ce gris est très intéressant. Ce gris-là, comme on dit, je le garde. Mais en matière de ciel, la référence s'appelle Eugène Boudin, un peintre né à Honfleur en 1824, autodidacte et radical. Il abandonne la peinture académique pour se concentrer sur la lumière et les nuances. Des coups de pinceau rapides pour capturer l'instant. Sur la côte normande, il finit par trouver le sujet parfait. Il se situe à seulement quelques kilomètres de Honfleur. Ici, on est sur la plage de Trouville. C'est ici que Boudin est venu peindre ces fameuses scènes de plage avec les petites baigneuses, les petites poupées, comme il disait. L'aristocratie parisienne découvre alors les joies de la plage. Grâce au chemin de fer, c'est le début du tourisme balnéaire. Des élégantes colorées, pas forcément venues pour se baigner. Une station comme Trouville devient surtout un lieu de rencontre et de sociabilité. Les gens discutent, les gens se rencontrent, on se montre dans ses plus beaux atours. Les toiles de Boudin, elles, basculent vers l'abstraction, les prémices de l'impressionnisme. Boudin, l'enfant de Honfleur, aura passé sa vie à raconter les ciels torturés de son port d'attache, jusque dans ses derniers instants. Lorsqu'il se sent partir, il est à Paris, il demande à être transporté d'urgence en Normandie, il veut mourir comme il a vécu, face à la mer. Bonjour Bruno Delarue, alors vous allez m'accompagner durant toute cette émission. Vous avez écrit de nombreux ouvrages d'art et vous appréciez Eugène Boudin, pourquoi ? Parce que le bonhomme est fort intéressant dans le sens où il n'a pas sa place du tout dans l'histoire de l'art. Il est beaucoup plus important que la place qu'on lui a donnée. En fait, il arrive à un moment qui est très important pour la peinture de paysage. C'est-à-dire qu'en 1840, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est les romantiques, en fin de compte, qui dominent la scène. Et les romantiques, on leur doit une chose, c'est d'avoir fait sortir les peintres de l'atelier. Bon, ça, c'est extraordinaire. Donc Boudin va profiter de ça. Mais par contre, il va complètement révolutionner la chose, c'est-à-dire qu'il va retirer le pathos, et puis il va éclaircir complètement la palette. Et tout ça, ben, ça va amener quoi? Ça va amener l'impressionniste. Et Eugène Boudin est considéré comme le précurseur de l'impressionnisme, et pourtant aujourd'hui, on l'a oublié. Pourquoi? C'est vrai que c'est très méchant. Bouddha a vraiment été considéré comme un petit maître, mais vraiment comme un tout petit maître. C'est mieux actuellement. Alors évidemment, il est connu surtout pourquoi ? Parce qu'il a rencontré Monet au Havre. Et Monet, à l'époque, était juste un caricaturiste.
Et il l'a emmené peindre, à Rouel d'ailleurs, et il a donné la notion de la peinture vraiment à Monet qui le reconnaît. Donc ça, c'est important pour l'impressionnisme, mais c'est pas que ça. Surtout, il est passé à la peinture claire. Et on reconnaîtra Boudin, quelque chose d'extraordinaire, c'est sa palette de gris. En fait, il est précurseur d'impressionnisme, c'est parce que la palette claire, et puis la vibration de la lumière. Boudin va être le premier, en fin de compte, à extraire la couleur de la forme. Et surtout, alors pas tout de suite, hein, il faut bien savoir qu'à Honfleur, il a peint surtout dans les années 50-60, mais cette touche vibratoire, quoi, elle va vraiment apparaître à la fin des années 60, 70 et 80. Et Monet, toujours, dira, tout ce que je dois à Boudin, c'est formidable, quoi. C'est lui qui m'a appris à peindre, quoi. Nous sommes à la ferme Saint-Siméon, un lieu empreint d'histoire où de nombreux peintres sont venus. On les surnomme d'ailleurs les peintres de Honfleur. La ferme Saint-Siméon, ce n'est pas du tout ce que c'est actuellement. C'était une malheureuse ferme. Le loyer n'était pas cher. La mère Toutain, si on ne la payait pas, ce n'était pas trop grave, quoi. Ils se retrouvaient entre eux, en fin de compte, et dans des lieux pas chers. Et donc, il y avait une espèce de stimulation qui était extraordinaire. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui connaît par cœur ce lieu, cette ferme Saint-Siméon, avec toutes ses anecdotes, et il m'attend, on va aller le rejoindre justement. Xavier Parent, alors vous êtes le concierge de la ferme Saint-Siméon, et bien plus encore puisque vous vous passionnez pour ce lieu qui a accueilli de nombreux peintres, dont Boudin bien entendu. Tout à fait, Boudin qui est originaire d'Honfleur. Alors c'est une vraie passion comme vous le dites, la ferme Saint-Siméon, c'est le berceau de leur rencontre. Tous ces artistes ont travaillé ici parce qu'ils étaient merveilleusement installés dans cette auberge de la ferme Saint-Siméon. Face à l'estuaire, avec ses lumières changeantes tous les jours et le bon accueil de la mère Toutain. Et là, ils ont sympathisé, fraternisé. C'est une histoire de rencontre avant tout. Donc on parle d'ailleurs très souvent des rencontres de Saint-Siméon qui ont impacté tout leur travail sur ces 12 années. Xavier, quelle est l'ambiance ici dans ces jardins à l'époque ? L'ambiance est très chaleureuse, elle est très festive, parce que bon, vous avez les pommiers ici. Sous les pommiers, bien sûr, ils plantaient les chevalets, bien sûr, ils travaillaient, mais aussi beaucoup, ils s'installaient sur les tables qui étaient posées sous ces pommiers et ils consommaient du cidre et du calvados. Ils échangeaient sur leurs expériences, sur le moment. Il y avait un côté magique et on sait tout cela puisqu'on a leurs écrits. Donc on a tous ces courriers qui expliquent le bonheur qu'ils ressentaient ici à se voir. C'était un peu comme une famille. Oh, Saint-Siméon, il y aurait une belle légende à écrire sur cette hôtellerie. Que de gens y sont passés, et des célèbres. Courbet, qui prétendait avec Chaunard son compagnon, que le cidre n'était bon qu'à se laver les mains, s'était endormi après un déjeuner copieux arrosé par le petit tonneau du père Toutain, Gustave Mathieu, mon vieil ami le poète, et qui y fit depuis un assez long séjour avec son copain le père Achard. J'y ai vu, il y a quelque 40 ans, de joyeuses kermesses, alors qu'on était encore dans ce peuple de marins. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas très riches. Très souvent, les rapports avec leur propre famille étaient compliqués. C'était le cas de Monet, par exemple. Et là, ils trouvaient non seulement la source de lumière qu'ils chassaient, parce que c'était des chasseurs de lumière, mais aussi le soutien dont ils avaient besoin. Donc il y avait une ambiance absolument extraordinaire. Grâce à vous, on a la chance de découvrir l'intérieur de la ferme Saint-Siméon et on est dans ce salon où il y a une anecdote particulière. Oui, dans ce salon ici, les impressionnistes ont voulu faire plaisir à la mère Toutain. Ils ont voulu peindre une fresque sur un des murs pour lui faire plaisir.
Et elle a été travaillée dans l'après-midi. Comme on sait, les impressionnistes peignent rapidement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont peindre sur ce mur? Alors tout le monde va penser qu'ils vont faire des arbres, une forêt, l'estuaire, la mer, etc. Ben, pas du tout, ils ont peint le jugement dernier. Et donc, c'est un peu tragique, du rouge, des couleurs très fortes qui ont été décrites d'ailleurs par ces peintres dans leurs lettres. Et donc, on a tout ça qui est posé sur ce mur, une fresque. Et le soir, les tentures ont été enlevées et l'œuvre a été présentée à tout le monde, la mère Toutain, toute la famille et les convives qui étaient présents. Il manquait une personne, c'était le fils de la mère Toutain. Il faut savoir que le fils de la mère Toutain, c'était un garçon qui était épileptique. Et quand il est revenu le soir, il avait beaucoup, beaucoup bu. Il est rentré ici à la lueur des candélabres. Il n'y avait plus personne que ce tableau, cette fresque. Il a eu très peur devant ce mur. Il a fait une crise de délirium tremens et il est décédé. Et la mère Toutain, du coup, a décrété que ce salon était le salon des horreurs. Est-ce qu'on peut la voir encore, cette fresque? Alors non, on ne peut plus la voir. Elle se trouvait sur ce mur-ci. La mère Toutain l'a fait badigeonner, bien sûr. C'est la seule chose qui est vraiment disparue du temps de la mère Toutain. Actuellement, il y a un grand tableau de Grune, là. Quelle vue sur l'estuaire! Oui, c'est magnifique. L'estuaire de la Seine. Et donc ici, nous sommes dans l'actuel restaurant de la ferme Saint-Siméon, qui était autrefois une des salles d'hôtes où se réunissaient les peintres, les convives. Donc ils dînaient ici, déjeunaient ici. Et comment ces peintres sans le sou payaient-ils leur séjour ici? Effectivement, ils étaient très peu argentés. Ils laissaient parfois des panneaux, ils peignaient des panneaux de porte ou des toiles, des tableaux, comme celui-ci, qu'ils laissaient à la mère Toutain en partant. Et vous en avez beaucoup? Ah ben oui, on en a quelques-uns, oui, effectivement. On a des tableaux de Cals, de Corot, on a quelques belles œuvres, de Grune aussi, voilà, comme ce tableau-ci. Alors vous connaissez, Xavier Parent, la relation entre Monet et Boudin, une relation particulière, amicale, de maître à élève. Voyez ce reportage de Simon Le Pape et de Carole Lefrançois. Sur les quais du port de Honfleur, presque 200 ans plus tard, nous sommes tous des petits Eugène Boudin en puissance. Le chevalet et les pinceaux sont remplacés par les smartphones, mais le but reste le même, saisir sur un instant le paysage, les nuances, la lumière, comme ces ciels immortalisés au musée Boudin, une quête qui forcera l'artiste à adopter un style novateur. Il y a d'abord une caractéristique technique qui est celle d'une touche très enlevée, exécutée rapidement parce qu'elle se met au service d'une problématique que poursuit Boudin, qui est celle de saisir l'instantanéité du paysage. Comment capter quelque chose qui est impermanent? Eh bien voilà en quelque sorte le défi que s'est lancé Eugène Boudin. Surnommé le roi des ciels, le moderne et décrié Boudin dresse les prémices de l'impressionnisme, une peinture de plein air qui marquera la carrière d'un jeune artiste encore méconnu. Au début de sa carrière, Claude Monet n'est pas un peintre, il est avant tout caricaturiste. Et puis en 1856, il fait la connaissance dans la boutique d'un papetier d'Eugène Boudin. Et puis il va sympathiser avec Boudin, qui va finir en 1858 par l'emmener peindre en pleine nature, en vallée de Rouelle, au large du Havre. C'est ce qu'il va reconnaître, le choc qu'a produit sur lui les pochades de Boudin. Donc ces esquisses préparatoires, dessinées ou peintes, qui cherchait à capter les éléments qui fuyaient. L'élève Monet, chef de file de l'impressionnisme, dépassera ensuite son maître, mais il restera conscient de l'importance de cette rencontre. « Je dois tout à Boudin et je lui suis reconnaissant de ma réussite », disait-il. Ici,
Eugène Boudin, l'enfant du pays, a beaucoup peint des vues portuaires tout au long de sa vie. Ça l'a inspiré, ce décor. Boudin est un fils de marin, donc fils de marin d'Honfleur. Donc toute sa vie, il peindra des scènes de port qui sont, avec les scènes de plage, un des sujets les plus importants de sa peinture. Il est venu ici surtout au début de sa carrière. Et c'est très intéressant parce qu'on voit une peinture encore assez classique avant que Boudin trouve vraiment sa patte, quoi. Dans les années 80, qui va avoir inventé cette touche qui est incroyable, qui retire les contours, en fin de compte. Elle efface les contours. Donc c'est exactement ce que recherchaient les impressionnistes, parce qu'en fait, c'est la vibration de l'air que l'on voit. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis surtout, il tenait une chose qui était formidable, c'est qu'il voulait que son tableau reste une esquisse. Et pour l'époque, c'était hyper moderne, parce que qu'est-ce que voulait la clientèle encore à l'époque? C'était du tableau bien léché, bien fini, qui prenne du temps. Et au contraire, il voulait l'inverse de ça, c'est que le tableau soit très léger, très facile, comme ça, d'apparence. Et vous l'avez dit, il aime peindre aussi les variations atmosphériques. On le surnomme même le roi des ciels. On le surnomme le roi des ciels, oui, c'est sa grande force à Boudin, c'est le ciel. Et justement, grâce à cette touche comme ça, qui est très légère, très éthérée, en fin de compte. Et ce qui est amusant, si vous allez au musée du Havre, d'ailleurs, il y a toute une collection de petites esquisses qui sont que des ciels et qui sont absolument fabuleuses, absolument remarquables. Je vous propose maintenant d'aller en direction du clocher de l'église Sainte-Catherine qui a été représenté par Boudin et par Monet aussi. Et il y a une histoire véridique et insolite qu'on va découvrir dans quelques instants. Ok. Alors cette histoire, c'est vous qui allez nous la raconter, Madame Bergeret. Bonjour, vous êtes Bonjour. Une spécialiste d'Eugène Boudin et vous avez participé à cette véritable enquête pour réattribuer un tableau de Monet à Boudin. Lorsque je suis arrivée au musée en 1976, ce tableau m'a tout de suite interrogée quant à son appartenance. Quand on se penchait sur les livres à l'époque, ce clocher était donc attribué à Monet. Avec de temps en temps des réflexions, des doutes. Au fur et à mesure, on était de plus en plus convaincus que l'appartenance de cette peinture était à Boudin par la comparaison avec une autre peinture qui existait aux États-Unis, qui représentait le clocher coupé, mais dont la structure picturale était exactement la même. D'autre part, cette recherche que j'ai menée avec mon ami Laurent Manœuvre, avec lequel nous avons travaillé presque toute notre carrière sur Boudin, a retrouvé dans une lettre de 1897 la mention de Boudin qui écrivait à son frère en lui disant « Je suis à l'hôtel du Dauphin, qui est ici, et je fais des peintures de la place Sainte-Catherine, du marché et du port ». Or, en 1897, il existe en effet 3 ou 4 peintures représentant le port de Honfleur. Et le marché, eh bien, c'est certainement ce clocher Sainte-Catherine, puisque il est le lieu du marché hebdomadaire et où on voit de façon tout à fait schématisée les personnages du marché. Pourquoi c'est signé Monet quand même ? Alors c'est signé Monet, mais ce n'est pas une signature, c'est un cachet qui a été apposé certainement par Michel Monet, le jeune fils de Monet, lorsqu'il l'a donné au musée de Honfleur en 1964. Il ne s'est pas posé la question de savoir si c'était un Boudin ou un Monet. Ça reste malgré tout des suppositions puisqu'on ne peut pas avoir la preuve exacte de cet acte. Merci Anne-Marie Bergeret. Je vous propose maintenant d'aller de l'autre côté de l'eau pour découvrir l'une des plus importantes collections d'œuvres de Boudin. C'est le MUMA, le musée d'art moderne André Malraux, qui possède le fonds d'atelier de l'artiste, découverte avec Madeleine Lepage et Guénaël Louis. Derrière ces portes, un lieu unique dans l'histoire de l'impressionnisme, le fonds d'atelier d'Eugène Boudin. 365 œuvres y sont stockées, parmi elles des dizaines de toiles de vaches, objet d'étude par excellence du peintre normand. Ce n'est pas un peintre animalier. On voit bien que le sujet n'est pas la vache, mais c'est tout autant le ciel. On est sur un vrai jeu de peinture, sur quelque chose de beaucoup plus instinctif.
En 1851, l'enfant de Honfleur décroche une bourse d'études du Havre pour étudier la peinture à Paris. Il imite alors les plus grands, dont voici ses copies. Mais très vite, Eugène Boudin s'émancipe des conventions, recherchant la spontanéité du geste. Ça a été un combat pour lui de s'affirmer. Et forcément, on est sur une restitution dans une peinture qui ne respecte plus les canons académiques de la composition. On est devant quelque chose de beaucoup plus inventif, de beaucoup plus libre. Cette liberté n'a pas toujours été comprise, en particulier par la ville du Havre. À sa mort, Eugène Boudin ne lui légua qu'un tableau, cette nature morte, sorte de pied de nez à ses premiers mécènes. Il nous semble deviner un espèce de message de Boudin post-mortem. Ville du Havre, vous ne m'avez pas bien compris. Vous m'avez aidé, certes, mais vous ne m'avez pas bien compris. Et je vous donne un tableau qui ressemble à ce que vous imaginiez de moi. Donc il y a quelque chose d'un peu amer. 2 ans après la mort d'Eugène Boudin, son frère donne à la ville du Havre ce fonds d'atelier, une manière d'assurer la postérité de l'artiste, père de l'impressionnisme. Escale de notre voyage Honfleuret en votre compagnie, Bruno Delarue. Alors, les peintres de Honfleur portent un regard moderne sur leur époque. Et sur cette plage, comme à Trouville, Deauville, ils vont peindre les premiers bains de mer. Et ça, c'est un sujet que Eugène Boudin apprécie beaucoup et très tôt. Oui, alors là, c'est la grande affaire de Boudin, la scène de plage, parce que c'est lui qui l'invente, en fin de compte. On est en 1860. C'est vraiment la période d'expansion du balnéaire qui a commencé vers 1820 à Dieppe, mais vraiment 1860 c'est la grande période. Donc c'est le premier, pourquoi? Parce que le sujet n'existait pas avant déjà. Et donc c'est d'une extrême modernité pour plusieurs raisons. Un, c'est nouveau. Et deux, il représente des gens actuels. Un sujet qui n'a jamais été présenté. Donc le fait de présenter un sujet moderne fait de lui un peintre révolutionnaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ça sera la grande affaire pour Boudin, parce qu'en plus, il est révolutionnaire dans le sens où tout d'un coup, il peint quoi? Il peint la légèreté, la facilité. On lui reproche. Avant, quand on peignait un paysan au pied de sa meule en train de se reposer, c'était normal, c'est un travailleur. Mais là, on disait, mais qu'est-ce que ça veut dire de représenter? Mais représenter ces gens-là, les bourgeois en vacances, c'est aussi représenter ses clients. C'est ces pas idiot. Poupées, comme il les appelle. Alors, il les appelait ces petites poupées. Alors, la deuxième chose qui montre que c'est un peintre extrêmement moderne, et ça, c'est formidable, et il a été le seul à le faire, c'est qu'en fait, il s'est mis à une distance qui n'est jamais très proche du sujet, mais qui n'est jamais très loin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est jamais dans l'anecdote. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que les personnages, donc ces femmes, on crée les mines sur la plage, et 3/4 du temps, c'est des femmes. La plage appartient aux femmes à l'époque. Hein. Et ces femmes, eh ben, ce ne sont pas des portraits. En fait, c'est des groupes. Mais on est suffisamment pas loin pour être dans le sujet, quoi. Et ça, c'est génial. C'est absolument la grande affaire de Boudin, quoi. C'est pour ça que moi, je l'admire. Et c'est ce qui va le faire vivre aussi. Ah oui, complètement. Il ne fera pas fortune, Boudin, mais il arrivera à vivre correctement, suffisamment pour s'acheter une maison à Deauville. Il mourira à Deauville, d'ailleurs, dans sa maison. Alors, il en a fait des quantités, ça, c'est clair. Son marchand Firmin lui disait, mais il faut en faire parce que ça paye. Hein. Mm-hmm. Et puis après, ils l'ont dit, mais fais gaffe, tu peux tomber dans le système, quoi, un peu. Et pour les gens actuellement, quand on parle de Boudin, eh ben, tout de suite, la première image, ben, c'est une scène de plage. Alors, est-ce qu'il en a fait trop? Est-ce qu'il est tombé dans le système? C'est discutable, mais c'est pas grave, c'est toujours très beau. C'est dans ce décor digne d'une peinture d'Eugène Boudin qu'on se quitte. L'artiste normand inspira Claude Monet grâce à la complicité des deux peintres, naquit le fameux tableau Impression Soleil Levant il y a 150 ans. Le premier tableau, le premier chef-d'œuvre de l'impressionnisme. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée sur France 3.